ça va, c'est cool, ouais, moi aussi, cool. Oh, gars. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça y est, j'ai le chat. Salut, je compte. Salut Fikanto, comment ça va? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Football Manager SMR. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec le RC Lens en Ligue 2, bien évidemment. Je récupère mon café et nous sommes partis. Nous allons commencer le stream du jour par une présentation globale, juste avant le premier match de la saison. Asseyez-vous, détendez-vous, et nous allons décoller. Bonsoir à tous. Comment va? Encore une autre meuf qui veut de moi. Arrêtez un peu. Alors, bonsoir les gars. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ce jour de Saint-Valentin, on va passer comme un gros célibataire. Je suis en pleine forme. Passez une super journée. Je vais très bien. Même pas un lieu de lance. Ah, je pense que tu en as quelques-uns à m'envoyer, Roro. Je fais du L, du XL. Celui-là, c'est un L d'ailleurs. LXL à peu près. N'hésite pas à demander mon adresse au MP. Oui, rendez-vous, c'était très bien hier soir. Elle est tout à fait gentille, tout à fait charmante comme femme. Elle m'a. J'ai pas eu un coup de cœur, elle ne m'attire pas forcément. Oui, je parle de ma vie privée en stream, alors on est comme ça. Mais je pense que, enfin, j'aime beaucoup son univers et tout ce qu'elle fait dans sa vie. C'est une community manager que j'ai rencontrée. Et c'est une femme très intéressante. Et ouais, j'en raconte pas beaucoup plus, mais ouais, j'ai passé une très bonne soirée malgré tout. De toute façon, dès qu'il y a de la bière, des tapas, c'est une personne vraiment intéressante. Moi, je passe une très bonne soirée. Donc voilà, j'ai passé une très bonne journée là. Bah, j'aurais pu battre mon record aujourd'hui. Il y a eu dans mes gros clients, c'était encore les mêmes que la semaine dernière, sauf qu'ils avaient pas mal d'absents dans leurs effectifs. Mais du coup, j'ai eu d'autres. Bah, après les autres clients, ça a été que des nouveaux clients. Et ça fait extrêmement plaisir. Il y a une vraie rotation au niveau de mes nouveaux clients et dans mes habitués aujourd'hui, pas de chance, ils étaient en effectif un peu amoindri. Mais sinon, on aurait fait quasiment le même chiffre que la semaine dernière, qui a été mon record sur cet emplacement. Donc je suis très content. Il fait très beau, il fait très bon. Je peux enfin me remettre en t-shirt au food truck au lieu de me peler le cul près des plans de chat. Donc c'est cool. Enfin, ça va bien. Après, voilà, ce que vous voyez pas autour de moi, c'est j'ai un bordel monstre. J'ai de la paperasse de retard. Je dois de l'argent à l'URSSAF. Parce qu'il prélève en tout début de mois, juste après que j'ai tous mes trucs à payer. Et comme ce mois-ci c'était un peu showtime, bah, ils ne pouvaient pas prendre tout l'argent qu'ils avaient besoin, hein, bien sûr. Donc il faut que je pense à payer ça, il faut que je transfère de in sur ça. Et que je m'occupe aussi de ça. Donc j'ai plein de choses à faire. Il est déjà 3h10 et je lance mon stream, donc ça va être un peu just aujourd'hui. Il faut vraiment que je me fasse au moins un peu de paperasse aujourd'hui, j'en ferai demain aussi, mais. Il faut que je paye mon loyer aussi. Putain, oh là, putain, mais arrêtez de me prendre de l'argent aussi, là. Oh. Je suis pas content, moi. Alors que dans mon solde général, j'ai 3,5 millions. Alors, Shizitsu, bonjour. Zangief, bonjour, ami Charentais. Que du double XL. Ah oui, quand même. Ah oui, t'es grand. Ariacode, comment il va, mon champion? Non, j'ai pas pécho, Ariacode. Elle est adorable, elle est très intéressante. Je pense que je vais la revoir, mais vraiment plus sur côté amical. Voilà, c'est quelqu'un que je voulais rencontrer parce qu'elle m'a déjà trouvé intéressante et elle est très intéressante. Mais je n'ai pas eu de ce coup de cœur.
pour cette personne, mon cher Ariakodz. Donc voilà. Mais tu vois, là, j'ai encore matché aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être une gonzesse qui a encore mangé des burgers. De toute façon, je l'ai fait tout craquer comme ça. Alors, bonjour, monsieur Chapaté. Comment tu vas? Ah, c'est plus chiant, ouais. L'erreur qu'il ne faut surtout pas faire avec la paperasse dans une entreprise, c'est d'accumuler ou de prendre du retard. Ça va très vite, déjà, les amendes, hein, pour retard, et ne pas avoir la flemme. Surtout pas. Surtout pas avoir la flemme. Pour ça, je déteste prendre du retard sur ma paperasse, parce que je sais qu'après, déjà, j'ai une mémoire de poisson où j'ai tendance un peu à oublier ou à accumuler des retards, et c'est pas bien. Ouais, et ma, ouais, on est mieux dedans, c'est sûr. Donc voilà, les gars. Voilà. Ça commence à arriver un petit peu, parce que bon, épisode d'aujourd'hui, ça va être... ça va pas être très long, ça va pas être très chargé en match. On va vraiment plus parler foot. On va parler de foot, on va parler de Ligue des Champions, on va vraiment... Chill quoi. Détente sur FM par rapport au match des 2 derniers jours. Et puis voilà. Voilà, messieurs. J'ai juste obligé de mettre ça. J'étais en live sur Twitter. Et puis je vous présente le RC Lens 2022. 2023, messieurs. Let's go. Merci. Pour le host, mon cher Kikov, bonjour à toi, bonjour à tes viewers, bonjour à tous. J'ai un maillot 14 ans. Ouais, c'est à peu près ma carrure, 14 ans. Pour ça que je préfère salarié. C'est un risque à prendre, Yves Canto, mais tu sais, tant qu'on est heureux dans son travail, c'est le principal. Parce que j'en discutais d'ailleurs avec cette femme hier soir. Moi, j'ai créé mon entreprise. Et je fais ce que j'aime et c'est très facile de me lever le matin et je ne compte pas les heures et ça me sert à rien de les compter parce que je suis vraiment très heureux et épanoui dans mon travail et c'est absolument génial. Mais voilà, rester salarié mais en aimant son boulot, ça reste quand même sûrement la meilleure opportunité. Mais quand on fait un boulot où on gagne bien sa vie et qu'on est dans l'entreprise mais on est extrêmement malheureux au boulot, l'argent passe vraiment au secondaire, je pense. J'ai vécu un peu ça auparavant. J'étais pas heureux dans mon boulot et je vivais gagner plutôt bien ma vie, mais pas heureux. Et tu rentres chez toi, certes, tu as une certaine somme sur ton compte bancaire, mais ça remonte pas le moral et ça fait péter les plombs, quoi. Donc malheureusement, là, je gagne beaucoup moins bien ma vie, mais j'aime tellement mon boulot et je suis tellement heureux. Salut Dorax, oui, effectivement. Ça pique, ce 3-0. Ouais, merci. Non, mais j'ai désinstallé Fortnite, Roro. Donc, c'est fini, ça. Apex. Apex Forever. Best jeu. Je ris jaune aujourd'hui, ouais. David Ginola. Excellent. Balma. T'habites à Balma? Non, Portobé, à la classe. Ah, ça part bien ta partie, Code. C'est excellent. Je voulais faire. Putain, c'est clair, moi. Je suis trop bordélique après mon. Ouais, bah c'est le. Ouais, je respecte énormément. Enfin, vraiment, encore parenthèse un peu perso. Ma sœur s'occupe pareil, assistante EduxP. Elle s'occupe de personnes en difficulté. Elle a fait un peu tous les type de personne, elle a fait des enfants en difficulté, des adolescents en difficulté, des personnes un peu plus âgées, des SDF, elle a fait, et là en ce moment elle est avec donc des personnes qui ont besoin de tuteurs, etc., qui ont soit schizophrènes ou des gros problèmes psy,
Et je respecte énormément les gens qui s'occupent de ça, et puis une personne handicapée physique et mentale. Je respecte encore plus parce que je sais ce que c'est, mais ma sœur, c'est une guerrière comparée à moi. Mais ouais, beaucoup de respect pour ça parce que c'est extrêmement enrichissant, mais c'est extrêmement dur. Hein. Il faut avoir un sacré mental quand même pour ce genre de métier, je trouve. Voilà. Pierre Lignot, bonjour à toi. Alors, ça... un repas pour ta copine. Ah, bah là, si on parle de bouffe, il n'y a pas de souci, hein, Pierre Lignot, je peux te régaler. Dans mon date kick-off, ça s'est très bien passé. Allez, c'est une fille, une femme très bien, mais j'ai pas eu de coup de cœur physiquement pour elle. Pas une attirance spéciale. Mais j'ai passé une super bonne soirée, à beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. On a terminé à 1h du matin, quand on est arrivé à 8h. Et on a, y a pas, pff, y a quasiment pas eu de blanc, quoi. C'était très intéressant. Je vais revoir cette personne, enfin je vais demander à la revoir, mais amicalement. Donc voilà, j'ai pas pu voir les matchs, vous vous doutez bien du coup, parce que de 8h à 1h du matin, j'étais autour de bière et de tapas, ce qui est une très bonne soirée aussi. Et donc voilà. Petit repas pour une copine. Si t'as la flemme. Un truc sympa, je trouve. Petite salade de chèvre chaud. Ça fait le taf, généralement. Tu fais revenir tes lardons. T'achètes des chèvres chauds tout prêts. Si tu veux pas les acheter tout prêts, la panure, c'est très simple. Tu prends 2 carrés de chèvre que tu coupes. Après, tu mets ta panure autour. Vu que c'est un fromage, ça accroche assez facilement la panure. Aller-retour sur la planche, juste doré. Tu peux mettre ce que tu veues après dedans. C'est frais, c'est bon, tu pues pas de la gueule après parce que ça reste un truc avec ta meuf où tu dois faire ce que tu as à faire après, généralement. Donc faut un truc un peu sympa. Bien évidemment, alcool, une petite bouteille de rouge, quelque chose. Un petit rosé. Ah, il y a une femme, un petit rosé, bien frais. J'espère que tu as acheté une rose. Rose rouge, symbole de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, j'aime bien partir sur un format un peu tapas, justement, pour revenir à hier. Un petit plateau ou des petits pains grillés avec des petits trucs dessus, une tapenade, olive noire ou des choses comme ça. Mais ouais, n'hésite pas, des petits trucs sympas. Pas un truc genre, ah, mange au resto, tu manges des pâtes, il y a l'autre qui joue du violon à côté, c'est bon, c'est fait, c'est refait, ça. Merde. Ah, t'es en ESAT, ouais. Ah, ouais. Je comprends bien. Donc voilà, Pierre Lignot. Mais te prends pas la tête et ouais, ce qu'elle aime. Une femme, c'est toujours difficile. Donc si tu connais ses goûts, essaye de rassembler ou de faire un truc un peu créatif autour de ce qu'elle aime. Dit le célibataire. Bon, c'est pour ma défense, je suis resté 8 ans avec quelqu'un, donc je sais ce que c'est. Et en plus, on a même du conseil sur un petit rosé. D'après Ludorok, c'est un petit rose de Tavel. Voilà. Messieurs. Je finis mon café et présentation de l'effectif. Je voulais faire un truc un peu stylé pour vous présenter les nouveaux joueurs. Comment je peux faire ça? Je voudrais faire... Attendez. Image, ok. Mais genre un... Comment je pourrais faire ça? Si je fais ça. Ok. Voilà, désolé pour le screen, je prends un screen que j'ai sur le bureau de mon top 1 sur Apex. Mais en fait, je vais pouvoir après réduire. Fais voir comment ça fait sur le retour. Donc je fais ça. Et après, je peux réduire comme ça. Et... Ah merde, on ne peut pas réduire juste en longueur comme ça. Fuck! Ah, après, à la limite, je descends comme ça. Ah, pas con ça. Yes! Ouais, première remarque, on était à moins 6 millions déjà financièrement et on est à plus 3 millions. Donc déjà, ça vous donne un petit indice sur les transferts. J'ai un petit peu bossé. Vous allez voir. Tac. Et puis voilà, bien un truc bien comme ça. Hop, voilà. Et là, je vais dans l'effectif. Et vous ne voyez pas mon effectif. C'est normal parce qu'il y a la grosse image devant. Ok?
J'aurais dû mettre un écran noir, les gens vont croire que je joue Apex, pas du tout. Ensuite, donc sur le retour, ça c'est bon. Alors messieurs, présentation du Lens 2022. Bon, il me reste 2-3 transferts à faire quand même. Mais la nouvelle équipe. Alors, gardien, Louis Pug, c'est un Régène. Eh oui, mais vous ne le voyez pas. Je fais juste la présentation des noms, on regardera les stats après des joueurs. Louis Puck, c'est un Régène pour le moment qui est en période d'essai. On va voir ce que ça donne. Je vais. Non, parce que fiche joueur, ça ne met pas dans l'ordre, oh, c'est chiant. Donc voilà, on fait par poste. Je vais voir comment ça se déroule. Ensuite, on a toujours Thibaut et Mexer derrière que j'ai pas vendu. Ça sera toujours utile. Nouveau joueur qui vient se glisser juste après, qui s'appelle Jean quelque chose Castelletto, non? Jean-Charles Castelletto. On verra les stats après ensemble, qui est un ancien joueur de Montpellier et qui était à Brest en tout début de partie. Nous avons toujours le père Diomandé de la SEC depuis l'année dernière, qui a fait une assez bonne saison, mais qui sera pareil dans la rotation. Enfin, on a deux nouveaux joueurs qui arrivent ici. Coucou mon Jomo, ça va bien et toi? Bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup. On a ensuite Junior Sambia, le latéral droit qui était lui aussi à Montpellier en début de partie. Donc Sambia, Castelletto sont des joueurs gratuits. Voilà. Une très bonne nouvelle, on fait des économies. Ensuite, autre joueur gratuit qui vient de se blesser malheureusement, l'ancien Niçois Olivier Boscagli. C'est une très bonne recrue, je suis très content, qui fera du très très bon taf sur ce côté gauche pour offrir aussi une petite alternative à Ibrahim Cissé, notre latéral gauche de l'année dernière, qui est toujours là. Je suis très très content. Voilà, le secteur défensif me plaît pas mal. Je vais essayer de choper un petit Régène défenseur central solide. On va essayer de choper ça peut-être avant la fin du mercato. D'accord. Un autre secteur où il y a pas mal de changements, le milieu de terrain avec donc une très bonne recrue dont on avait déjà parlé quand j'étais à Lyon. On avait déjà mis un screen qui est de Cheick Doucouré. Un milieu de terrain avec un très gros volume de jeu. Plutôt sur le secteur défensif. Je vous montrerai les stats après si besoin. C'est une très bonne nouvelle. Je paye quand même son salaire qui est de 27 000 balles. Je paye partiellement ou totalement? Ah non. Ah non, je l'ai gratos. Je paye juste 27 000 euros. C'est ça? Je paye les 50% parce qu'il touche 54K, c'est ça. Parce que je me semble bien qu'il n'y avait pas marqué 100% quand j'ai fait le contrat de prêt. Donc, Cheick Doucouré qui va être vraiment un milieu avec un très très gros volume. Sûrement box to box, mais on essaiera de réduire un peu ses projections parce qu'il n'est pas non plus très technique. Joueur en prêt pour le moment, c'est Aaron Tchibolla. Je vous montrerai ses stats. Lui, ça serait plus box to box offensif. Vraie capacité d'animateur offensif plus que Doucouré. Faut que je regarde le rapport un peu pour voir si c'est quelqu'un dont on peut exploiter le talent. Nous avons toujours Jean Bellegarde et Youssouf Mchangaba. Et enfin, messieurs, là ça va réagir, je pense. Je l'ai mis sur le Discord hier et je l'ai mis en spoiler parce que je voulais pas spoiler les gens par rapport à cette arrivée. Un très gros joueur signe au RC Lens. Il venait de faire de se séparer de son club. Et c'est un international argentin. Ouais, Fernando Quevenaghi a fait jouer ses relations. Qui a 34 ans. Donc, du coup, là, dans le jeu. Et. Vous connaissez ma passion pour les pirlos dans le jeu. Et je peux vous dire que Ever Banega va nous en balancer quelques-unes
On va essayer de faire jouer ce mec dans une chaise giga confortable. Je vais essayer de vraiment mettre en place un système un peu autour de lui. Ça sera le titulaire indiscutable en meneur de jeu en retrait. Je vais tout faire pour qu'il régale. Il a des stats évidemment incroyables. C'est un joueur très très fort, Ever Banega. Et voilà, ça a été l'énorme surprise. Quand je l'ai vu sans contrat, je me suis dit, bon, laisse tomber, tu pourras pas payer le salaire. C'est pas la peine. Et puis là, 27 000 euros par mois. Et là, j'ai fait, bon, vas-y, on fonce. Donc voilà, on offre un dernier tour de stade à Ever. Il a des stats de staff dégueulasse, donc malheureusement, je pense pas que je vais le garder. Voilà, c'est quelqu'un qui a 34 ans, qui a jamais été non plus une mobylette. Bon, au niveau du rapport, ça fait un peu peur. J'ai peur que la vitesse soit un problème. Après, un mec comme ça, si j'arrive à le faire jouer dans un fauteuil confortable et qu'il est bien protégé, on pourra vraiment voir des choses très fortes, très intéressantes. Autre point extrêmement fort et la deuxième raison pour laquelle je l'ai recruté, c'est 17 en technique, 13 en tir de loin, 14 en coup franc, 14 en corner, 15 en centre. Cette année, enfin l'année dernière, il m'a manqué 3 points, 4 points pour être champion. Dans ma tête, au vu des stats sur coup de pied arrêté qui n'étaient pas très bonnes, pas très bonnes, ça va. Ça manquait de 2-3 coups de pied arrêté qui auraient pu me donner le titre. Alors, j'aurais dû au coup de pied arrêté, ça aurait pu être des buts dans le jeu ou des buts pas encaissés bêtement à cause d'erreurs tactiques ou des erreurs générales, individuelles. Donc, voilà, je vais augmenter aussi mes chances de marquer sur CPA, en marge aussi de l'écriture de l'article. Donc voilà. Et pour le côté roleplay, Ever Banega est un Argentin. Donc on se dit que Fernando Cavenaghi a fait jouer de son réseau pour recruter enfin, l'international avec 65 sélections, 5 buts, Ever Banega. Voilà. Voilà la surprise. Voilà, messieurs. Oui, je suis sur le pif, faut que je recule un gardien aussi. Voilà, Séville, dans une chaise roulante. Oui. Lazio, Séville, qui gagne pour toi? La Lazio, j'ai pas trouvé foufou, j'ai regardé un match et demi de la Lazio. Je suis moins impressionné comparé à l'année dernière. Nul ou Séville, si on doit être un peu dans le pari sportif, j'aurais dit nul ou Séville, perso. Mouillette Game, bonsoir. Bonjour. 3h30 de l'après-midi, Thomas. Si c'est MOC, c'est en Ganche. Si c'est MJR, c'est milieu de terrain centre, c'est MJR. Le MJR a beaucoup moins besoin de vitesse dans ma tactique que le MOC. Le MOC a tendance à devoir se trouver rapidement dans la surface pour terminer les actions, donc avoir des projections rapides ou d'être quand même une petite qualité de dribbleur ou de porteur de ballon. Le dribble, je m'inquiète pas pour Banega. La projection, je m'inquiète un peu au vu du physique. Ah, vous croyez tous que je vais le faire jouer en ganche? On pourra faire une alternative en ganche, j'entends bien. Parce que ça va dépendre de la performance parce que j'ai du beau monde au milieu de terrain, donc ça peut être une adaptation, étant donné qu'on a perdu Lusamba. Et on va faire comment il l'a fait jouer d'ailleurs. Putain, vous me foutez le doute. Je voyais plutôt MJR. T'as 4 passes clés, une occasion créée. Oh merde. Je comptais le faire jouer MC, moi. Bon, bah on verra. Non. Merci, je rejoue de la ST quand même. Voilà, messieurs. Oh merde, il me reste qui? Merde, j'ai oublié, pardon. Lombardo, pardon, mon tricoteur est toujours là. Une autre surprise.
Alors c'est pas Banega, mais moi c'est plus lui que je pensais faire jouer MOC. Ah, ça me perturbe un peu du coup tout ça. Et Florent Mollet, le Montpelliérain, qui a des notes bien partout pour un MOC. J'ai envie de voir d'ailleurs du coup quel rôle il a joué lui. Face à la réserve, il a joué MOC aussi. Je sais plus. Les deux autres sont des régènes. Merci Nyangoulé pour ton resub. Merci beaucoup. Du coup, je peux supprimer l'image. Et les deux autres sont des régènes, mais il va falloir que je monte les stats, donc je coupe court par rapport à ça. Florent Mollet qui a ouais, une bonne technique, un joueur assez complet, c'est-à-dire qu'il a 13 partout dans son rôle, donc c'est très bien pour de la D2. Et voilà, c'est plus lui que je pensais faire en MOC. On va voir. Issam Skiri, qu'on avait recruté en stream. J'avais pris à, putain, à Auxerre. Qui est un très très jeune Régène. Je compte pas mal sur lui. Il n'a pas des bonnes qualités de finisseur. C'est la seule inquiétude que j'ai. Mais voilà, on va essayer de le faire grandir. C'est un recrutement gratuit. Et ben, on a encore fait jouer un petit peu le réseau. Avec Fabrice Bourdon, qu'on recrute 15 000 euros par mois, qui est un Régène de Lyon, qui est pas mal, hein. 15 appels de balles, 17 en dribble, 16 en finition, 11 en sang-froid, 16 inspiration, 16 en tête. Donc on est sur du très correct. Voilà, c'est un jeune espoir que j'obtiens en prêt et on va lui donner pas mal de temps de jeu. Le but, c'est qu'il pète tout, quoi. On va essayer de tout péter avec lui. Il manque des joueurs, hein, vous inquiétez pas, même niveau gardien. Je me suis fait piquer malheureusement un gardien par Bordeaux d'ailleurs. Donc voilà. Coucou Yangouné. Bah, l'objectif, ça reste Bordeaux, ouais, Yangouné. Et River Plate. Alors, Maya l'abeille, Bourdon qui n'aura pas trop le cafard, fils de Didier, c'est bon. Beaucoup de talent devant mes jeunes, beaucoup d'expérience et de talent au milieu de terrain. Ouais, j'ai du choix. Voilà. Merde, attendez, je regarde juste un truc. Par rapport à ça. Oui, yes. Tac. Hop. Qu'est-ce que j'avais fait? C'est pas grave, à la limite, on va voir. Ouais, j'avais lui que j'avais regardé. Lui, on a fait une offre en prêt. Ça, c'est tous les jeunes et tout ce que j'ai regardé pour des offres de prêt. Ça, c'est l'énorme régène. Lui, il est monstrueux. Ah oui, je vais peut-être avoir lui. Je crois que ça a été accordé le prêt. On devrait avoir Dusan Vlahovic aussi en attaque en prêt. Beaucoup plus d'expérience et de talent. Ah, on va avancer parce que j'ai des trous. J'ai fait tellement de fouiller et d'offres. Je sais plus. J'ai même pas fini tous mes matchs amicaux. Voilà. Clairement. Vous savez à peu près tout. Il va y avoir des surprises, ça se trouve, il y a des trucs que j'ai oubliés. Oui, j'ai fait mon staff aussi. Je me suis refait un peu un staff, j'avais plus personne. Il n'y avait que moi et les médecins et les dirigeants. Qu'est-ce que j'ai recruté en staff? Poisson rouge. Wim De Decker en entraîneur adjoint. Le Belge qui a des stats honnêtes. Partout. J'aime bien. Nouveau prépa responsable formation jeune, l'ex de Béziers, Jean-Pascal Singla, qui arrive. Matriciano, qui est en. Bah, ça, c'est celui qui est déjà lui. Que j'ai toujours. Abdou, qui a signé. John Mendy, que j'ai fait signer aussi. Et ça y est déjà, tout ça. Et ça, c'est tous les. Les dirigeants.
Mais il manque encore des prépas, faut que je continue. Bref. J'ai pas totalement tout fini, mais je crois que j'ai fait des offres. Tellement de trucs avec tous les joueurs à fouiller, à faire des offres. J'ai fait 20 000 offres, 20 000 rapports de recruteurs et tout. Donc, au fil des messages et du temps qui reste à passer, je devrais avoir des trucs qui vont me revenir à l'esprit. On bat l'Austria Vienne 5-1. J'ai oublié, il y a aussi, je viens de le voir passer là, ce petit Regen argentin que j'ai récupéré. Gratos, là, Martin Prieto, ouais. Tout va bien, je suis un joueur FM de qualité. Lui, là, je le trouvais sympa pour 18 ans. Je sais pas, il avait ça qui était sympa. Il peut jouer MOD et BT, je manquais un peu de... Oui, d'ailleurs, pourquoi il est en réserve? J'ai fait tellement de choses. Refais voir. J'ai oublié qui. Ah bah, un Regen du FC Lyon, mais ça, ils sont tous pétés, donc merci. Merci ceux qui s'occupent de Lyon dans FM. Mon CF flamand. Avec la fondée de Regen que j'ai eue, c'est pas plus mal. Lui, je l'ai fait monter. Ah bah, j'ai pas parlé des départs aussi. Oh la vache. Pire streamer du monde! Alors, des prêts, ils nous prennent un peu de salaire ici. 20-30%, je crois. Ensuite, on a Patulacci là, qui part pour 60-80% du salaire plus 3 000 euros par mois. Ça dépasse un peu son salaire, donc c'est cool. On a trois départs en prêt gratos. Ça fait du tri. C'était surtout Quincy Meunier qui prenait un bon salaire. Et deux transferts extrêmement importants parce que c'était pas prévu, parce que je comptais sur eux pour cette saison. Mais dès que j'ai eu les offres, vraiment, hein, dès que j'ai eu les offres. J'ai vu INQ, donc inquiet, et qui disait veut partir, veut pouvoir négocier avec Düsseldorf et Vitória Guimarães. Et donc j'ai fait, vas-y, te prends pas la tête, négocie. Donc la très bonne nouvelle, c'est que Nabil Alioui valait 1,4 million et Bodiger 1,7 million. Et du coup, j'ai négocié du cash avec quasiment le double de leur somme, donc voire le double, un peu plus de leur double pour certains. Donc je suis très content, j'ai plutôt bien vendu. Et je rappelle, le premier objectif, c'est de rattraper ces finances catastrophiques. Hors stream également, j'ai eu un message comme quoi les infras devenaient obsolètes. Évidemment que j'ai demandé pour voir si on pouvait faire quelque chose, mais ils m'ont dit financièrement c'est impossible. Donc il faut oublier. Lens est un magnifique et incroyable centre de formation et ça reste... Ça reste une équipe qui se doit d'être au top là-dessus, donc je veux investir là-dedans. Je préfère faire des saisons, une ou deux saisons à recruter que du libre et vendre pour de l'argent, mais pour remettre un centre de formation digne de ce nom dans ce très grand club. Et j'en profite en direct pour aller demander s'il y a moyen de moyenner. Pour les infras. Ouais. J'ai toujours des problèmes d'argent. Fais voir si ça marche pour le budget encadrement jeune. Ah, oh yes, ça c'est cool, ils ont accepté. En même temps, il était assez bas. Analyste de données, Balek. Et le recrutement des jeunes de manière générale. Super. Bah, j'ai bien fait de demander. Bon, on n'aura pas les structures. Alors on a un budget encadrement et un meilleur réseau de recrutement. Donc c'est bien. C'est bien, c'est toujours ça de récupérer. Ça reste vraiment dans la politique du club et la philosophie que je veux avoir avec le RC Lens. Faut quand même sortir du lourd. On est le RC Lens, on n'est pas une petite équipe, pas un petit centre de formation. Donc c'est la moindre des choses. Voilà. Ouais, j'ai fait une offre pour un recruteur, Jomo. Tu fais bien me demander, mais je crois que j'en ai fait que pour un seul. Et ça doit être le dernier truc que j'ai recherché. Entraîneur. Ah oui, qu'est-ce que j'ai pour ma réserve? Mes U19. Je voulais attirer des gros noms. Je voulais avoir Patrick Vieira. Il veut pas venir entraîner mes U19. Je comprends pas. Olivier Dalloglio non plus, d'ailleurs. Je comprends pas. Ça va, je blague, hein? Caray. Il n'y avait pas beaucoup de monde et je crois que j'étais descendu à 11.
J'aurais tous demandé, je crois que c'était pas possible. Ouais, il y en a 2-3 du RC Lens de base, donc ils ne voudront pas revenir. C'est pas grave, je me débrouillerai. À la limite, je vais recruter des analystes de données qui feront très bien le taf. Photo des joueurs chez Brogame, tu as un pack sur FM Scout que j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps. Préfère rejoindre Bourg-Péronas plutôt que le RC Lens. Yes. Pourriture de chiasse. Oh, Thibaut, là, je le prends. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Combien tu veux, mon grand? Par contre, c'est Rota, gros. Rota, Rota. Ok, good. Voilà. C'est gros ce qui a fait maintenant, c'est que j'ai. Je faisais d'autres choses en même temps que je faisais le mercato. Bah, je regardais. Je regardais le match de Paris en même temps, donc autant vous dire que j'étais plus concentré sur Paris que sur mon mercato. Tramoni. Ah ouais, ça l'a pas fait avec Michaud. Bon, qu'est-ce qu'il m'avait. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans le rêve? Putain, il y a trop de joueurs à. Donc ouais, il manque encore 2-3 joueurs, je pense. Oh! Pourquoi t'as pas de club, gros? 12 appels de balle, 13 finitions, 12 sang-froid, 18 QPN, 17 en saut, 1m90, personnalité réaliste, 15 collectif, 15 déter, 12 en technique. C'est bon, ça. Vive les rapports de recruteurs, bordel, c'est la vie, ce truc. Ouais. Oh, lui, j'ai déjà vu. Rafael Fonseca. Trop de gestes mentalement. J'ai fait une offre pour lui. Oui. Je me souviens. C'est pas mal ça. Ça devrait être 5. Calmez-vous sur les salaires, les gars. Je suis le RC Lens, hein, 110 000 euros de prime à signature, enculé. Bourane, c'est l'ancien de Niort. Lui, j'avais regardé, je me souviens. Et à partir de là, plus grand-chose à se mettre sous le coude. Mon portable qui arrête pas. Ah oui, ben j'ai mis une photo d'un burger, j'avais oublié. Cent 25 000 euros ce gardien là. Il est fort lui là. Ah, 12 ans dégagement du point, saloperie.
C'est pas mal ça. T'as pas de double nationalité, gros. J'ai pas de problème de. Banega doit avoir le passeport espagnol. Lui, il est binational. À la limite, on peut se faire ce petit gardien à 525K, je trouve que c'est une bonne affaire. Ils sont trop bien ces rapports-là. C'est trop trop bien. Ça me facilite la tâche. Mais de fou. C'est à peu près tout ce qui manque. Et après, si non, je mettrai un gardien, lui. Allez, ah merde, il s'est blessé jusqu'au 7 octobre. Oh, merde. Sinon, il y avait ce gardien qui m'intéressait, ouais. J'ai regardé les Serbie Espoir. Prendre l'expérience pour la Ligue 2. J'ai un mec de 33, un mec de 34, un mec de 26, un mec de 31, un mec de 30. Pour moi, j'ai déjà trop de vieux, donc non. Trop, il y a trop de vieux déjà. Beaucoup trop de vieux. Et puis on est à l'ERC Lens. Les jeunes au pouvoir, bordel. Je déteste dire que 30 ans c'est vieux, bordel. Désolé, hein, les gars, moi aussi, je sais ce que c'est. Tous les trentenaires, respect. Yes, 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 c'est oui. Ok, d'accord. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fait. Bonjour les gars. Coucou Bénio, comment tu vas? Bonjour, bonjour à tous. Installez-vous. Trois étoiles. Sérieux, il monte pas plus, celui? Ah oui, 4 camemberts verts. Putain, c'est rare ça. Qui c'est qui me spamme? Ah bah c'est. Mère de ma fille. Ok, elle récupère la petite ce soir. Ça c'est machin. Bon, un petit coup d'Instagram pour faire du bien à mon ego. Oh, ouais. Ok. Eh bah dis donc, c'est. Ouais, ok. Ah, le petit Stan qui a lâché un like. Merci Stan. Quelqu'un de mon stream aussi qui a lâché un like dont je ne sais pas le pseudo. Allez là. Ça lâche des likes sur mes burgers. Nice. je le prendrais bien lui. Il y a moyen de faire un petit achat-revente. Techniquement, c'est Just par contre pour ATMJR. Ah, il a 9 partout. Manque un peu de déter. Ça manque à 3 étoiles. C'est un quoi? C'est un 111. Allez, à vue de nez, je dirais que c'est un 111-120, ça. Fais voir. Alors, attendez. Je vais pas faire le connard ou. Voilà. Je le fais signer et je regarde son potentiel. Je dirais 111-120. 111 de CA, 120 de PA. 89 et 120 de PA. Et alors? 11 rig. Oh, super. Il doit encore évoluer, mais 120, c'est bien. Un allié légendaire. Vanega qui fait déjà un mauvais entraînement. Oh, ça, je déteste voir ça. Déteste voir ça. Non, pas félicité. Non, non, justement, on lui a enculé, c'est mort, pardon. Totalement vulgaire là-dessus. Mille excuses, messieurs. Yes, merci Roro pour les liens, pour les faces, pour les gens. Merci mon Jobo. Mon gars sûr. Mon gars sûr. Voilà. J'ai un gardien qui arrive. Normalement, on va négocier avec le Brésilien. En défense, on est bien. 2 DG, 2 DD, 3 DC. Lui, il est en prêt, mais il repart en prêt. Enfin, il faudra un mec gros, gros fort quand même hein, derrière. On va peut-être fouiller des régènes du côté du Portugal. Salut Romain, comment tu vas? Un petit truc comme ça. Milieu de terrain. Bah là, je vous avoue, je vais réfléchir un peu à ce que vous me proposez. Ah, il fait pas jouer Banega sur ce match-là.
Ouais. Bon. On va être juste en termes de format à la reprise. On a quand même du Doukou. Oh putain, on peut faire un truc stylé. Du Doukoulé, Bellegarde, Banega. Ah quoi, on peut déplacer Mollet sur une aile, hein. MJA ou attaquant intérieur. Ah, attaquant intérieur, il peut faire le taf, le père Mollet, hein. Et en attaque, ça sera sûrement Fabrice Bourdon. Fabrice Bourdon, pardon. Qui est déjà à 3 buts en 3 matchs. Ouais, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Ça va super, Romain. Yes. Ouais, je me suis remis de ça. Je me suis complètement remis de ce qui m'est arrivé. Ça va mieux. On a déjà le petit Louis Pug en gardien remplaçant. C'est une bonne valeur. Ah oui, je ne vous ai pas montré le gardien. Il a des stats intéressantes. En note de gardien pur, pur, pur. C'est du 13, 13, 15, 15, 15, 9, 14, 12. 13 en décision, 12 concentration. 1m98, 14 en détente. Je trouve que c'est un très bon profil. Surpris de le voir. Il était formé où déjà? Je me souviens plus. À Manchester City. Ça, c'est... Puis investir sur de l'anglais, enfin investir. J'aurais sûrement une retombée vu le prix de l'anglais. Après, ça, du coup, c'est un étranger. Si c'est un. Mais il est où? Pourquoi je peux pas l'enregistrer? What is the fuck? Pourquoi tu me le mets en réserve, gros? J'ai besoin d'un gardien remplaçant, gros. Deux joueurs hors UE? Ah, mais lui, il s'en va. D'accord, je lui dis, j'ai pas d'autres joueurs UE. Boscagli, il est enregistré. Ouais, il est con ce jeu. Pourquoi il me renvoie ce message? Il est con le jeu. Chico le jeu ou quoi? Chico ou quoi? Mais je vais enlever. Ah, oh, putain, ils sont chiants, 2 secondes. Il faut que j'enlève Damien Arcet. Voilà. Ça me renvoie Boscagli. C'est bon? Combien? 150 000 euros d'argent là? Non, t'inquiète, le rouge. T'inquiète, oui, j'ai saisi. Fais voir. Putain, tu coûtes une blinde! Il est fort, Thomas, il est fort. C'est un très bon gardien. J'en ai besoin. Alors ça me... Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal, putain. Oh, ça m'écorche. J'ai l'impression de perdre un rein. Non, c'est Bourdon le buteur. C'est fou. Coûte cher, ouais. Ça me fait chier qu'il coûte une blinde comme ça. Hein. Putain. Mais il a 13 partout, il est au-dessus des autres gardiens. Ça, pour la Ligue 2, c'est énorme. Je rappelle qu'on est en Ligue 2. Putain, saloperie. Alors, c'est pas signé encore. Avlovic veut pas venir. Fuck. Et Belanova veut pas venir. À double fuck. Bon, Chibola qui vient. Nice. Ah, ça va me faire un effectif très complet là. C'est bien. Ouais, non, mais le cas, merci, il m'a sauvé aucun match, le cas. Ouais, c'était pas Jean-Louis Leca, c'était le cas catastrophe. Ouais, en fait, c'est mieux de plagier les autres comiques, hein, des fois. C'est vrai que ça vaut mieux plagier les autres comiques et être drôle encore une deuxième fois. C'est vrai, vaut mieux faire ça. Jomo, merci Jomo pour tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 likes sur mes photos. Merci beaucoup.
magnifique Instagram du Tom's Food Truck, le food truck, les meilleurs burgers, des burgers, t'as bon les burgers, les meilleurs burgers de La Rochelle, bien évidemment. On est là. Ouais, prenez-le, débarrassez-moi, j'ai besoin de thunes. Et lui, mais putain, il peut pas se barrer là. Mais pars, je te donne. Ou je te donne aux autres clubs parce que tu me coûtes une blinde. Tu joues pas et en plus t'es étranger. C'était pas dans le rythme, c'était moche. Oh non, il est nul le cas. Oh. Buffalo ou courte paille? Non, Beignot, tu l'emmènes. Non, non, mais alors ça, Beignot, ça sort de question. T'emmènes pas ta chair et tendre, ou ton cher et tendre, au buffalo ou à courte paille ce soir. Hein. Tu sors ton petit fessier, tu vas dans une grande surface et tu lui fais à bouffer. Hein. Ah non, 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 non. T'as un jour de l'année où tu dois faire à manger. Ce soir, vas-y, mon grand. Négociable ou pas? Je veux pas, moi non, mais je veux plus payer son salaire à ce mec. Arrêtez de me embêter. Ah bah c'est du non négociable. Non, non, non. Arrêtez quoi. Non, non. Allez, je veux bien vous faire à tous un prix. Je vous fais un prix. Hein. C'est la Saint-Valentin, c'est cadeau, c'est de l'amour. Ah c'est que de l'amour, putain, c'est génial. Ah c'est moi qui régale, putain. C'est bon ça. Ah une petite bite dans le cul. Ah c'est génial, ça c'est bon ça. Hop, hein, on choura notre mec au FC Lyon. Une solution alternative au poste de gardien qui me permettrait de faire des économies et de m'en sortir de manière plus pérenne et intéressante sur un côté économique. Oui, j'ai envie de te dire oui. Allez, un prêt, hop, hésitant, nous voulons un gardien de but. Un jardin de but. Poste. Jardin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nathan Crémilleux. Nul! Nul! Ah, Afadji Kanou. Ses excentricités. Mitroglou, nul! Germain, nul! Tiens, à Marseille. Ouais, et eh bah ben écoute, on va prendre le gardien brésilien. Non, je chipote, bien sûr, on va faire voir. Ah, je vais t'emmerder avec les étrangers. C'est que deux dans ce putain de Ligue 2. Oh, la Serbie est devenue. Voilà, c'est pour ça que j'ai regardé les Serbes. La Serbie est devenue un membre de l'Union européenne. C'est sérieux la photo de Milinkovic-Savic là qui fait le général? Ouais. Putain, c'est pour ça que j'avais regardé que j'ai. Voilà, oh pardon. Oui. C'est pour ça que. Oui, bah oui. J'avais regardé, c'était totalement cheaté. Beaucoup trop fort. Lui, j'avais pas observé. J'ai aucun. Attends, oui, 2 secondes. Je peux pas observer, je vais pas avoir de chance au tirage si je fais pas ça. Analyste de données, très rapidement, ça c'est pas cher, ça va très vite. Un 15-15-15, non, c'est trop. Geoffrey Bonhomme. C'est bien, bonhomme. Wow, mais calmez-vous, mais il y a un bug sur les salaires pour que tout le monde demande des sommes incroyables comme ça. Il faut se détendre, les gars. T'as 23 ans, gamin. Mais what? Un 11-11-11, ça demande 11K.
Ça a bien changé ça, parce qu'on pouvait choisir vraiment des analystes de manière totalement gratos et facile. Hein. Ah non, vas-y, j'abandonne. C'est quoi cette connerie là? Putain, ça a changé ça. Ça c'est un U19. Hop. Ça change rien. Arrêtez de me... Imitateur, bonsoir à tous. On pouvait juste se dépêcher pour le poste de gardien de but, ça va ranger. Ah, train de mansoir. Un bon flunch. Non, 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 et personne emmène son homme ou sa femme ce soir au flunch ou à l'hippopotamus, les gars. Vous me faites tous à manger à vos chers et tendres, hein. Mes couilles. Hein. Je vais aller regarder les réserves de grands clubs. Ben oui, Benio, fais-lui plaisir. Ça fait encore plus plaisir à la personne avec qui vous êtes. C'est une attention supplémentaire. Vous cuisinez ensemble. Ça terminera comme ça devra terminer sur le plan de travail, mais bon. Non, c'est important ces moments-là. Et sérieusement, les restos, enfin, bon. Moi, je suis de l'autre côté, hein. Je suis pas à côté de la table à manger avec quelqu'un, je suis de l'autre côté, côté restaurateur. Y en a qui vont vous entuber ou qui vont vous faire des prix parce que c'est la spéciale, c'est la Saint-Valentin, alors que la qualité change pas et tout. Et sincèrement, vous vous en sortirez pour beaucoup moins cher. Chez vous, à faire à manger pour la personne que vous aimez. Et vous pourrez même acheter bougies, fleurs et tout, ça vous coûtera moins cher que le resto. C'est certes moins confortable, c'est moins fun, on ne peut pas se mettre forcément sur le 31 et tout, mais faites-vous beau, faites-vous belle. Et faites un truc à la maison, ça sera beaucoup mieux. Hein, putain. Ah, les restos, le jour de la Saint-Valentin, moi je. Non, merci. No, thank Ouais. Ah ouais, bah tu peux regarder sur YouTube, j'ai oublié le nom, mais sur YouTube, il y a un mec qui fait que ça. Et il a mis. Ça a fait beaucoup de mal à Bentala. Bon, Gad Elmaleh, c'est que ça sort récemment, mais Bentala, il a notamment énormément pompé. Tu vois, c'est. Ça met en valeur ceux qui se font pomper, on va dire, mais ceux qui pompent, ça leur fait un petit peu mal. Du moins, je l'espère aussi. C'est horrible de plagier quelqu'un, que ce soit sur de l'écriture ou sur des spectacles. Coucou, Madman. Ouais, je pense que c'est un bug sur les salaires, mais c'est. Yes, coucou, soit Latino. Yes, je vais checker le règlement. Pour le salaire staff, autant à la limite qu'il y a un petit salary cap. Heureusement que j'ai ce screen pour les conseils de staff, je vais pouvoir faire un peu de récup là. Mais c'est juste abusé. Ils abusent. C'est vraiment trop, trop abusé. Ah, je vais recruter des mecs. Voilà. Ouais, non, 11 000. 11 000, ouais, c'est full bug. Hein. Ah, oh, c'est chiant, sérieux, putain. Tu peux pas les mettre, les 11 000, les gars. Z relou, voilà. René Philibert. J'ai déjà un prépa physique, non? Je suis totalement à l'arrache, hein. J'avais pas terminé, j'ai pas tout fait. Je voulais vraiment bombarder pour pouvoir faire des matchs en stream et vous éviter ça parce que. Ah mais non, je peux pas. Va falloir que je demande un salary cap plus conséquent pour. Bon, ça passe pour le prépa physique, super. Adjoint réserve. Ouais, non, mais respectez-moi, regarde ce que tu proposes aussi. Du. T'as qu'écras, gros, quoi.
Dans gestion des joueurs 7, respecte-moi. Mes couilles. Mes couilles sur ton front, hein, voilà. Merci. Non, Rico, c'est une blague. Merci Julien pour le follow, bienvenue à toi. Voilà, Mouillette Game, c'est quelqu'un qui a compris. Un petit magret de canard, les gars. Magret de canard, mon conseil, bien évidemment, prenez votre magret de canard côté gras, vous quadrillez. Grosse ligne au couteau, en verticale, tournez votre magret, vous faites des petits carrés. Vous mettez votre magret de canard dès le début, poêle froide, sur la poêle, vous allumez votre feu. Vous mettez votre magret, voilà, le magret est mis. Et pendant la cuisson du magret, je conseille entre, alors, suivant comment vous aimez le magret, suivant l'épaisseur du magret, 4-5 minutes côté peau, 4-5 minutes côté gras et 4-5 minutes côté peau. Et à chaque fois, vous enlevez ou vous mettez dans un bol. Moi, ce que je fais, c'est que je garde le gras de canard. Ça fait une huile qui a un goût pour vos viandes ou pour plus tard. Mais voilà, 4-5 minutes et vous enlevez à chaque fois le jus de canard. Le jus de la graisse de canard, le gras de canard, la graisse de canard, tout simplement. Et vous enlevez à chaque fois. De toute façon, quand vous allez cuire après le côté peau, qui a quand même un tout petit peu d'huile, mais bon, ça, il y en aura forcément, vu ce putain de gras qu'il y a dans ce magret. Et voilà, 4-5 minutes de chaque côté pour l'avoir rosé au milieu. Et ça, c'est comme ça que vous mangez le magret de canard, pas autrement, hein. Attention, hein. Pas plus, hein. Saloperie. On mange pas de la semelle. Gratin dauphinois, j'ai pas le temps de vous dire, mais j'ai une recette. Là là là, j'en ai fait, sincèrement, j'en faisais 3 par semaine, 4 par semaine quand je travaillais dans le restaurant en Angleterre, des gratins. J'ai une recette monstrueuse. Mais je peux pas, là, on va perdre 3 heures si je vous la raconte. Au pire, tu fais un traiteur. Putain, faites à bouffer pour vos meufs, elles adorent ça. Faites à manger. Ah non, faites-leur un repas et quand vous avez fini de manger, vous leur dites, chérie, il y a l'Europa League, laisse-moi tranquille. Et vous aurez un argument en défense parce que vous leur aurez fait à manger. Il y a des phrases sorties de leur contexte. Bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Roro qui régale avec un frit fricadelle ouais, dans la baraque à frites en bas de la rue. Merci Bouillette Game d'être passé. Bouillette Game, Bouillette, Mouillette. Elle aime le foot à Babinho. Dès que tu peux, fous une putain de bague au doigt à ta chère. C'est mon rêve. Si je rencontre une femme qui aime le foot. Franck Banega. Il a joué comment Banega? Quel poste? Putain, il a joué le match, du coup, il va être. Il a refait jouer en 10. Putain, je vais devoir faire jouer Banega en 10. Allez. Ah, une carbonade, putain. Après, t'es lourd, hein, Ludo. Hein. Enfin, t'es lourd. Non, t'es pas toi, mais après, tu te sens lourd après une carbonade. Mais ouais. Par contre, le mot du dessus, je parle pas. Je savais pas que t'étais biélorusse, je parle pas ça. Ouais. Quitte l'anneau, sérieux, il vaut que ce prix-là. J'ai déjà mes latéraux. Chier, putain, j'aurais bien pris Quitte l'anneau. Alors Julien, bah déjà bonjour à toi. Merci pour ton follow, bienvenue. Alors par rapport à la carrière, comme tu vois dans le titre, comme tu peux le voir. Désolé pour le télo. Dans le titre, donc c'est la saison 5. D'ailleurs, je le modifie en direct. Il y a marqué Fernando Cavenaghi parce que j'incarne Fernando Cavenaghi, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, l'ancien international argentin. Et en fait, j'ai commencé cette partie en ancien joueur international sans emploi, sans diplôme en fait. Et au bout d'un mois, j'ai atterri
J'ai atterri du côté des Vikings en D2 norvégienne, un club qui était 8e de D2 norvégienne à mi-saison. J'ai terminé la saison avec eux, nous avons terminé 2e et donc promu. Saison 2, je termine 2e de D1 norvégienne. Saison 3, je termine champion de Norvège. Pour la saison 4, j'ai commencé le championnat, j'étais premier, puis j'ai signé. Et puis j'ai signé du côté de Lyon en Ligue 1. Donc je suis arrivé à Lyon en début de saison en 2021 pour la saison 2021-2022. Et j'ai fait 6 mois à Lyon parce que l'objectif de la partie en tant que Fernando Cavenaghi est de signer à Bordeaux ou à River Plate, les clubs préférés de Cavenaghi. Et il s'est avéré qu'au bout de 5 mois à Lyon, j'ai vu que Bordeaux n'avait plus d'entraîneur. J'ai postulé à Bordeaux et j'ai dû démissionner par rapport à des frais de transfert que Bordeaux ne pouvait pas mettre pour me recruter. Il a fallu que je prenne un risque pour obtenir le poste et j'ai démissionné de Lyon. Et malheureusement, Bordeaux ne m'a pas sélectionné au final en tant qu'entraîneur. Donc, je me suis retrouvé au chômage jusqu'en janvier 2022, où j'ai rejoint le RC Lens. Avec Lens, je suis arrivé, ils étaient 8e, 9e, et on a terminé la saison 5e. Et ce qui est triste, c'est que j'étais à la dernière journée, à la 74e minute, j'étais premier de Ligue 2 et champion. Et à la 75e, j'étais troisième. Et à la fin du match, j'étais cinquième. Voilà. C'est la triste fin de saison que j'ai vécu avec le RC Lens. Donc on repart de Ligue 2 avec quand même un assez gros choc psycho par rapport à cette fin de saison. Premier pendant 30 minutes. Champion de Ligue 2 pendant 30 minutes avant une descente aux enfers. Et voilà. Voilà le projet. Je suis allé assez vite pour l'explication, mais je pense que tu as un peu compris. Voilà, c'est une carrière d'entraîneur où j'incarne un autre entraîneur avec des objectifs de club au final. Donc je surveille au maximum ce que fait River Plate et Bordeaux pour saisir, dès que je vais pouvoir, l'opportunité de signer pour ces clubs. Donc en attendant, on se balade en essayant de se construire un palmarès ou au moins des prestations plus qu'honnêtes, quoi. Tout simplement, voilà mon historique. Voilà mon historique. Ah, Lyon, donc, du coup, Lyon est l'année dernière. Donc j'ai fait 6 mois à Lyon. Et au final, ils ont terminé troisième. Et quand j'ai quitté le club, ils étaient second. Donc c'est un joli palmarès en termes de résultats. Mis à part le RC Lens. Bref. Donc voilà. Voilà. Burger, steak, maroilles, frites, patates douces. Ah. Mais un peu de légumes, beignot. Pas trop lourd, parce qu'après, il y a des choses à faire pour la Saint-Valentin. Pas besoin d'écrire plus. Ouais, je sens que je vais me faire douiller, oh, je le sais. C'est un plat flamand. Petit pot de viande. Ah, c'est bon ça, avec viande au pluriel. Théorie du complot, Yves Canto, la grosse théorie du complot. Il y a pas de souci, mec. Il y a pas de souci, Julien. Ah, Mad Match, mais toi, ça, j'ai toujours cru en toi. Ça, c'est sérieux. Un petit poulet gingembre miel. Gingembre. Tout le monde sait pourquoi Mad Mad a mis du gingembre dans son poulet. L'irégène. Très bonne question. Bon, j'ai déjà Louis. Louis fera le taf, je suis sûr. Étant donné les régènes de la saison 1 est arrivé en fin de contrat. Donc, par exemple, pour Burger. Burger. Quoi? Sous contrat à Hassan? À D3? D4? D3, ok. Rendu en D3, mon cher Kikoff. Et je t'ai vu, c'était là, mais t'es international U21 Islande. Hein.
Tige 2. J'ai oublié tige 2. Voilà où tu as signé. En D3 norvégienne, et tu as 6,28 de moyenne en D3 norvégienne. Donc on peut faire un petit tour pour ceux qui veulent. Bon, je pense qu'aujourd'hui on va peut-être pas faire beaucoup de matchs. Hein. Beignot, tu es en équipe B des Vikings. Toujours sous contrat jusqu'en décembre 2022 pour toi. Jomo, tu es avec Beignot en Viking B. Notre contrat jusqu'en 2023. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà les gars. Bon, pour les autres qui veulent voir, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Je vous mettrai vos joueurs et puis on regardera un petit peu où vous êtes. Mais ça, c'est l'équipe B, ça. Il est pas mal ce petit Reijnne macédonien. Je sais pas. Ah oui, il était dans mes rapports de recruteur. Ça peut me proposer une alternative en tant que buteur, étant donné que c'est un pivot. Je joue vraiment la carte jeune, hein, je le sais. Mais j'adore ça. J'adore ça. Par contre, il est où, gros? Ah, t'es là. T'es là, gros! T'es là, gros! C'est vrai que ça fait un peu beauf, l'accent. Je suis désolé, hein. C'est vraiment pas méchant. Mais l'accent marseillais exagéré, ça fait beauf. Voilà, c'était mon analyse sociale, socio, machin du jour. Comment tu vas, gros? C'est pas fou, quand même. Alors, sans transition, football. Oh, Tim Sparv. Mais il est très vieux, non? Ouais, 35. Super profil, Tim Sparv. Ouais, mais il va me la mettre, le Brésilien. Lui, j'ai déjà regardé, j'aimais pas le profil. Caca mental. Caca tout court. Dès qu'il y a des régènes, je suis vraiment le pire pigeon du jeu. Hein. Vas-y, viens, viens, viens passer un essai. On va discuter. Trop juste. Ça m'agace ces profils. Non, lui, j'ai regardé aussi. Ah, trop juste techniquement pour 19 ans. Trop juste mentalement. Un gardien. Beaucoup trop juste. Fernando Juarez. J'ai plus de place au milieu de terrain. Ans, c'est juste techniquement. Trop juste. Trop de monde au milieu de terrain. Pas assez fort. Ça me dit quelque chose, ce Cristiano Ojeda là. Intéressant. Par contre, ailier, un excellent centreur, excellent volume de jeu, gros QPN. Il a des notes très très intéressantes, mais s'il est étranger, c'est mort. C'est mort. J'ai plus de place. Dommage, il était pas mal lui. Il a des creux, ça me fait chier. Il avait du très bon. Cédric Van Camp. Gros physique. Trop juste. Je surveille. Là, vraiment, c'est que des très bonnes occasions que je surveille. Hein. C'est vraiment pas objectif recruter absolument. Hein. Vraiment,
Si j'ai vraiment un coup de chance, on va pas se mentir, ça va être vraiment du coup de chance. Putain, c'est rare les joueurs qui ont des 20. 20 en sortie dans les pieds qui te sort de nulle part. Pourquoi t'as un 20 en sortie dans les pieds comme ça? C'est énorme ça. Ouais, non, oh là là, 600 réflexes pour un gardien. Oh. Alors ce 20 qui sert à rien, sérieux? Ah, je regarde un petit peu le chat. Saison 1 en D3 finlandaise. Alors, ils font l'article de. Oh, super. Ah, cette nuit. Putain. Ouais, tu mets le lien dans le Discord, t'hésites pas. Hein. Il n'y a pas de souci. Prends-moi à Lens, coach. Ah! Ah, Beigno qui tente de me convaincre. Oh, Soulagemani. Ouais, non. Malheureusement, mon petit Beigno, t'es tout à fait adorable. T'es beaucoup trop juste. Pour le stade Bollaert de l'Hélice. Je sais à chaque fois pas dire le nouveau nom de stade Bollaert. Enfin, c'est le Roro qui va me dire non, ça date de telle année. Le stade, machin, machin, machin. Voilà. De l'Hélice, voilà. Stade Bollaert! Pardon, ça va. Après, ouais. Oh putain, mais il est pas mal lui. Oh, j'ai ce qu'il faut en réserve en plus. Fernando Gavina. Ah oui, ça c'est le. Bien, Fabrice. Allez. Premier match de la saison face au Nîmes Olympique. J'ai complètement peur. Salut Tom PSG. Merci beaucoup les gars de vous inquiéter pour ma vie de jeune papa célibataire, ça me fait très plaisir. J'ai passé une très bonne soirée. Vraiment, on a de 20h à 1h du matin beaucoup parlé. Mais j'ai pas eu de coup de cœur physique pour cette personne. Vraiment une personne très 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 intéressante. Vraiment très intéressante. J'aime beaucoup son univers, son travail, et à peu près tout le reste de manière générale, mais j'ai vraiment pas eu d'attirance physique pour elle. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Par contre, j'ai vraiment envie de la revoir parce qu'elle est très très intéressante. Il a les stats où il faut, lui. Son potentiel m'inquiète énormément. Mais on fait voir combien ça je dois lâcher. Ouais, c'est 9K minimum, le minimum salarial. Mais depuis quand le 9. Putain, bug. Bah ouais, mais je sais, enfin, il y a le minimum. Mais. Comment ça, tu veux qu'un contrat de 11 mois de Mtek écras, gros, quoi? Ah bah c'est mort, rentre chez ta mère! Rentre chez ta mère! Emmène Rose au parc, je t'inquiète pas, Madman. oui. C'est quoi sa tactique? Ah, il est chiant ce bug. Putain. Ah oui, c'est vrai. Non, j'arrive pas à faire. Il y a des mecs qui font super bien Mbappé. Moi, j'ai pas le. Il parle un peu. Enfin, ouais, il parle un peu avec le nez. C'est pas facile à faire, Kylian Mbappé. Hein. Il est pas facile. Mais il y a des mecs sur Internet. Ah, hallucinant, comment ils le font trop, trop bien. C'est hallucinant. Hein. Fabrice Lucchini. Il est relou, Stan, il met ses articles. Putain, qui sont. Désolé. Laissez-moi streamer, là. Je veux pas faire des burgers pour vous. J'ai pas envie, moi.
Bah, ils sont bons, vos burgers. Ils sont bons. Je sais. Je sais. Ils sont très bons, mes burgers. Merde, putain. Putain, merde, c'est ça le mail que j'ai reçu. 2 secondes, les gars. J'arrive. Le boulot avant tout. Ouais, c'est ça. 19h, minuit. Oh. Je vais me faire des thunes. Je vais me faire des thunes. C'est bien. Alors, c'est le mail. Désolé. Comme. One night. Je suis débordé de boulot. Ouf, hein, c'est cool. Faut que je réponde à ce mail-là. Tac. Non, dégagez. Voilà. Poussez-vous les papiers avec les factures. Bien, bien loin surtout. Ah putain, j'en peux plus. Putain, 3 messages, 4 trucs, 6 mails, machin. Bon, alors, il paraît que je suis en stream. Merde, bonjour à tous. Pire streamer du monde, pire streamer du monde. Alors, oui, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est juste oui, par contre, ça le oui, bah écoute, c'est la vie. Ils ont pris une raclée face à Tottenham. Il faut un crispy. Demain, Romain, tu viens chercher un crispy et on n'en parle plus. J'avais rien compris de vos blagues et enchaînement de blagues, vous êtes allé trop loin. Ah mais non, ah d'accord, j'étais au téléphone avec oui, une amie de ma sœur qui a parlé de moi pour un événement et qui me disait de la tenir au courant si j'avais l'événement et tout. Ah non, ouais, alors vous inquiétez pas, moi je suis quelqu'un de très, très ordonné. La maison est nickel, et mais c'est non, et puis cette, en l'occurrence, non, elle est mariée cette femme. Alors, arrêtons. Arrêtez, oh. Bon, sans transition, football. On est parti. 4h31. Je vais pas faire un très gros stream aujourd'hui, les gars. Faut que j'ai vraiment de la paperasse de merde à faire. Et j'aimerais bien faire ça avant 18h parce qu'il y a des coups de fil et vous savez les administrations qui ferment à 18h, à 17h35, il n'y a plus personne qui répond. Mais j'ai des papiers vraiment très importants à faire. Donc il sera assez court. Demain, on est vendredi. Je peux absolument pas stream l'après-midi parce que je récupère ma fille beaucoup plus tôt chez Anounou. Et je débauche tard de mon emplacement du vendredi. Je sais, je vais regarder le match de demain soir si c'est de la merde. Le match de demain soir, je stream. Demain, c'est Multiplex Ligue 2. C'est Lyon-Guingamp. Je risque de stream. Ouais, Lyon-Guingamp, les gars. Putain, merde, quoi. Ouais, je risque de stream demain soir. J'ai rien de prévu. Non, dimanche matin, ça. Non, j'ai rien prévu demain. C'est vendredi prochain, j'ai encore une soirée. Putain, on n'arrête pas. J'ai encore une soirée avec le food truck. Ouais. Ok. Ouais, je suis gentil, Roro. Mais c'est ce qui a marqué sur les portes ou sur les papiers. Hein, mais 17h30, ils sont tous déjà barrés. Les factures, si j'ai. Les factures, je peux te dire que là quoi, il y a marqué. Non, qu'est-ce qui a marqué d'ailleurs? Sort, c'est quoi la sort? Ça, c'est pour l'eau. Ça, faut que je change. Ça, je m'en bats les couilles d'ailleurs. Hop. Oui, non, mais alors la taxe d'apprentissage, le jour où j'ai un apprenti, les gars, ça c'est bon, je peux le jeter. J'ai ça à faire, ouais, non, j'ai trop de trucs à faire. Je pense que je vais juste faire un match et puis on va discuter. À la limite, je préfère discuter tranquille ou s'il y a des gens qui ont des questions, des problèmes dans leur partie, qu'on passe un peu de temps à faire ça peut être cool. Pas trop envie de faire des matchs aujourd'hui, à la limite, en termes de rythme. Voilà, on va jouer un peu à FFM quand même, on va faire un match. Quand même, respecte-nous, Thomas, respecte-nous. Comment tu vas, gros? Ah, Lombardo en ailier, j'ai pas testé l'année dernière.
Et lui, il pourrait pas plutôt jouer ailier avec son 13 en centre. Et oui. Par contre, c'est pas un gros tricoteur. Ah, à vrai dire, attends, on va jouer comme ça. Donc Banega en 10. Et Mollet en Pirlo. Mollet en Pirlo, mon Dieu. Tire de loin. Ah. Combien? 15 en tir de loin, Mollet? Eh mais je suis champion de Ligue 2, ça y est, c'est bon. Qui fait le ravin, tombe dans le malin, comme on dit. C'est fait exprès, hein, l'inversion. Au cas où, je préfère. Alors. Elle est belle cette équipe. Du respect pour Guingamp, Romain. On salue la Bretagne. Ah, les pauvres. Compliqué cette saison. Ah, tu veux vendre de Préville, fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Je sais pas, attends, parce que dans ma partie, Depréville a signé à 3. Je sais pas si je peux te donner un indice. Non, ils se sont débarrassés, Bordeaux. Il est dur à vendre. Hein. Très dur à vendre, Depréville. 4-4-2. 4-4-2. Ouais, c'était en Ligue 1, Nîmes, l'année dernière, non? Cette équipe de porc. Ah ben non, il y a Alioui, je suis con. J'ai même mis une sauce l'année dernière à Alioui. Avec sans accélération. Bon, bah écoutez les gars. Mon tout premier match avec le RC Lens. Donc il y a des nouveaux joueurs. Il y a plein de nouvelles choses, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Let's go. Nous sommes pas en rouge, nous sommes en. C'est comme si je jouais avec Sassuolo, quoi, vous avez compris? On est Sassuolo. Belle parade du gardien. Très beau corner de Bellegarde. Je me suis pas occupé des CPA. Fucking. Ce soir, je vais prendre du temps pour cette partie pour faire les derniers détails pour que ça fasse plus propre parce que là, c'était. J'ai l'impression de vous avoir présenté la partie à l'arrache. Double occasion pour eux sur corner également. Repoussé par Bellegarde. Léa Slicky, Diomandé. Largeur sur Ripart. Bon centre de Ripart, repoussé. Je veux juste voir par rapport à ma largeur si vraiment ils abusent du jeu direct. On va voir assez rapidement. Ok, ça tente du jeu long. Erreur ici. Non-respect des consignes. Ouais, c'est très axial pour le moment. Bravo, Diomandé. Pardon. Il a déjà marqué. Un but. Deux buts en 10 ans. Vous êtes sérieux? Il a marqué 10 buts. Deux buts en 12 ans de carrière? Et là, il marque sur moi à 6 minutes de jeu en premier match de la saison? Bon, on va rien dire parce que. Sur le premier tir cadré de Nîmes, c'est un mec qui a marqué deux buts en 13 ans. Une frappe 16 mètres plein coin, putain. Beaucoup trop de jeux directs et un bug, non? Parce que bon. Pourquoi il a pris moins de risques?
lancer vers le latéraux, c'est coché. Parce que là, ça fait 3 ballons donnés pour absolument rien, quoi. Allez. Belle garde. Ah. Bon, pour un mec qui marque beaucoup, il fait chier Bellegarde comparé à Diomandé, 2 buts en 13 ans. Skiri, Mollet, Bellegarde. Belle parade de Salvi sur la frappe de Bourdon. Ça passe assez facilement dans l'axe. On va concentrer le jeu dans l'axe. Le dédoublé, je pense que je vais devoir l'enlever. Bah, Mollet, il a 15 en tir de loin, je rappelle. Ripard, Ripard, Ripard. C'était Ripardinho. Il faut qu'on insiste absolument dans l'axe. Il y a Diomandé, 2 buts en 13 ans, qui a déjà un carton jaune. Ça dédouble sur les ailes ou ça centre de loin? Ça ne dédouble pas côté gauche. Il me faut un gardien. Il faut un gardien. Bon, à part si je prends que des frappes pleines lucarnes tout le long de la saison. Dans ce cas-là, ça va être très compliqué. Mais... Bah oui, parce que nous, quand on est à 13 mètres du but plein axe avec aucun pressing, on tire sur le gardien. Quand ils sont à 25 mètres décalés, c'est pleine lucarne. Bon, mais bon, Teji Savanier, ça me va. Ça me dérange pas de prendre une frappe de 11 en tir de loin, 8 en finition. Ça, il n'y a pas de souci. Absolument pas de souci. 8 en finition, ça vaut le 15 en tir de loin de Mollet. Voilà, je sais ce que je vais faire. Mauvais ballon. Merde, j'ai pas le temps. Tête dans les pieds adverses. Il n'y a que lui qui a 12 en accès, l'autre il a 11, hein, c'est ça. Je pense que je vais encore prendre 2-3 buts, hein, c'est normal. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Ah, j'ai raté mon but en plus. Comment on marque, pardon? Remise de Bourdon, Banega qui contrôle. Et la pire lot de Banega est absolument magnifique. Oh là 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 là. Tu vois. Ah, je perds. Très, bon, voilà, les deux buts que je prends, bon. C'est. Voilà. C'est comme ça. C'est Nîmes. C'est un plus gros niveau que nous en termes de qualité de joueur. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci, mais là, je suis très content de marquer comme ça. Putain, c'est du bonheur. Si Banega, je vais faire une compile. Hein. Je m'en bats les couilles. Compile YouTube avec Darude sans Storm en musique derrière, avec toutes les pires lots de Banega de la saison. Je vous l'annonce direct. Ah, j'adore ce jeu. Là, je préfère perdre comme ça. À la limite, les stats, on s'en, enfin, on s'en fout. Ouais, non, bon, je n'ai pas de gardien. Ça va faire que ça. Mais je m'en fous. Hein. 3 tirs, 3 en pleine lucarne, c'est normal. C'est le Real de Nîmes. Mais tant qu'on marque des buts comme ça cette saison, ça m'ira très bien. Putain. Magnifique. Mollet, 15 en tirs de loin. Froyard, le gardien, juste. 63%, ouais, c'est bugué. Bon, ça me rassure. Ah, par contre, si Banega rate des passes, ça va pas le faire. Allez, cours au moins. Bah, t'as 3 points de plus en accélération que Jean-Michel Briançon là. Ouais. Bah, paradoxalement, j'ai envie de jouer plus, défendre plus large, mais tout passe dans l'axe. Et je suis déjà en largeur axiale. C'est. Sincèrement, j'ai joué contre le Barça, le Real, la Juve. Prendre 4 buts avec à ras du poteau comme ça sur les 4 buts, j'ai jamais pris ça. Regarde-moi, regardez ce qu'ils mettent. Hein. S'ils arrêtent de frapper plein coin, je vais gagner. Sinon, si c'est comme ça tout le match, je peux rien faire.
Je peux rien faire. Outre le fait que caster les taux est nul, sur que des frappes comme ça, je peux absolument rien faire. Tactiquement, on peut rien faire. Dans ma surface ou hors de ma surface, c'est forcément plein coin. C'est imparable. Par contre, enfin, il a bien 18 en contrôle de balle, Banega, juste par curiosité. 17, pardon. C'est un peu juste pour la Ligue 2, 17 en contrôle de balle. C'est un peu juste. Parce que là, la passe à moins d'un mètre où il perd la balle parce qu'il rate son contrôle. Boum, 15 en tir de loin. Ah non. Mirko Salvi. Bon, en même temps, il sort une saison à 6,73, donc c'est forcément un très très gros gardien. Castelletto, dommage. Ils vont forcément avoir des grosses notes. Un tir, un cadré, un but. Un tir, un cadré, un but. Un tir, un cadré, un but. Un tir, cadré, un but. Et le gardien est à 7,3. Banega. Ah, c'est Mollet qui va faire. Bah, rien. C'est bien, Bourdon. C'est bien, mon grand. Ah, il est pas très fort, le gardien. Bon, après, enfin, pour sa défense, le gardien, je prends 4 frappes, 4 frappes plein coin. Pour ça, enfin, ça, là, c'est le genre. Enfin, franchement, perdre 4-2, 6-2, bah, il n'y a pas de souci, quoi. Je préfère perdre ça. Ça, c'est logique, quoi. Par contre, Castelletto, il se trouve. Il était bourré, Castelletto, quoi. 6-2. Pourquoi? 3 têtes décisives, 3 interceptions. Oh, il a fait des erreurs amenant au but, alors. Problème de passe pour Mexer. 28% de passes réussies. Ah bah, bougez pas, je l'ai, mon problème. Je ne vais pas plus loin. Je vais faire ça, je vais les switch. 28%, c'est intolérable. Mon Dieu, 28% de passe. T'es bourré ou quoi? Faut que j'inverse Mexer et Castelletto ou quoi? Merde, non, non, cancel. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi il a une note comme ça? C'est son pied qui est cassé? Soixante-douze % de passes réussies, 5 tirs cadrés, 4 buts, que des frappes plein le coin. Je peux absolument rien faire là-dessus. Ils ont une très très grosse finition, Nîmes. Salut, c'est Bilab. Je crois que tu m'as tag. J'ai vu un truc Twitter avec tes vidéos, avec ta vidéo. À l'instant, non, il y a 27 minutes. Deux. J'aime bien, c'est bien de terminer ces mots. J'ai pas eu l'occasion de regarder. Bah, ça va être l'occasion, hein. Faut que je regarde ce que tu as fait. J'ai plein de choses à faire, donc j'essaierai de regarder ça ce soir. Et je partagerai ton contenu après avoir vu. Tac. J'ai pris quelques jours de mon peul, ouais, effectivement. On perd tous nos duels. Alors, pas que paradoxalement, c'est 56-59 au niveau des têtes remportées. Ouais. Bon, Nîmes est clairement favori à la montée. La vache. Bon, après, ça se trouve, leur qualité de finition va s'arrêter à ce match-là, mais. Sans doute un des buts de l'année. T'as vu ce qu'il vient de me mettre, Nîmes, sur ce match? J'ai pris 2-3 buts de l'année, là. La reprise de volée, ciseau, pied gauche, plein coin, notamment, elle est magnifique. Interception, quelqu'un? Yes.
Il est bon ce ballon. Ouais, il a bien fait parce qu'il était trop juste, Banega. Ça serait bien de marquer sur CPA, les gars. On a un bon tireur. Ouais, et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de mettre Bellegarde. C'est pas grave, je le ferai après le match. Il faudrait que je mette Banega. Il f... T'es osé ce ballon, très osé. Très osé. On va devoir faire un changement, je pense, sur l'animation. Très bonne récup de Mollet. Bourdon. Bourdon, Mollet. Oh, le bon ballon! Putain! Pourquoi on met pas des frappes plein coin, pleine lucarne avec des mecs avec 8 en tir de loin et 11 en finition, nous aussi? Allez! Sois juste, FM, sois juste. Et on passe dans l'axe, on n'arrive pas à provoquer le carton rouge pour Diomandé. Il y a un moyen quand même. C'est un très beau match, vraiment. Oh la Pirlo. Côté gauche. T'as forcé, mon cher. Mon cher. Tout court. Skiri. Skiri, si c'est. Ah, vivement le retour de Boscagli. Castelletto, ça remonte pas. Ouais, on va faire rentrer Vlietinck. Notre ailier de l'année dernière. Allez, les gars. Allez, allez, allez. Pas grand-chose à dire. Enfin, s'ils accrochent le cadre, Nîmes, c'est forcément plein coin ou pleine lucarne. Donc, je peux rien faire. Le tout, c'est de voir pourquoi. Long ballon dans le dos de la défense, peut-être, Soon? Ouais. Ok. Bon, ça là-dessus, je peux déjà y remédier. On passerait pas avec la tactique de contre, là, pour essayer de les surprendre un coup. Il n'y a pas moyen de l'aspirer un peu tout ça, tu vois? Ou le temps va passer de 72 à la... J'ai peur que ça fasse ça. On est nul à la relance. On va essayer de trouver des CPA. Des CPA. Fais voir ça. Fais voir quelque chose. Jouer large, mais exploiter que l'axe. Pour élargir leur défense et agrandir nos espaces dans l'axe pour des options de tir notamment. Mollet. 13 décisions, 13 en passe, 13 techniques, 13 contrôles de balle. Le mec est tout seul avec personne à 15 mètres. Il fout ça en putain de touche. Putain de 6 mètres, pardon. Purée. Ah, on est limité. Techniquement, on est limité là. Je vais enlever le prôné à défense de vitesse. J'ai l'impression qu'on n'est pas très bon dans nos qualités de dribble là. J'en ai vu plusieurs pertes de balles. Il a arrêté le ballon, mon gardien? Waouh! Il est chaud. Il est chaud. Allez, vite, un bon centre, mon grand. Mollet, Sambia, Banega, Bellegarde. Boum! Super! 4-4. Moi aussi, j'ai le droit de marquer de loin sur des frappes de bourricot. Merci! C'est bien, elle est très belle, la passe de Bellegarde. Très juste au niveau du hors-jeu, mais Lombardo qui conclut. Je ne. Ta mère! Non, 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 j'ai vu trop tard. Non, s'il te plaît. Non. Oh, c'est chaud ce que je fais là. On le tente. Je vais chercher le 5-4. Inch'Allah. Engagez-vous plus, ça va me faire un penalty. Oh putain, qu'est-ce que je fais? On est en axial, c'est le principal. Le passer dans les espaces parce qu'ils jouent très haut. J'ai pas de chance, ils vont marquer là-dessus, je le sais. Et non, Mollet, Mollet, Mollet Pirlo, Mollet, Bellegarde Pirlo. Oh oui! Ta mère, pourquoi tu sors pas? Oh, cul ta race! Oh! Diomandé! Cette fin de match est de folie! Attendez, attendez, attendez. Voilà, attendez.
Réfléchis, Thomas. Exploiter la largeur, ils sont sur un double axial. Passer dans les espaces que je voulais cocher. Allez, Bourdon. Vas-y, mon grand. Oui. Oh, quel ballon! Allez, un corner. Un bon corner, ça part de là, belle garde. Vas-y, mon petit bonhomme. Vitinck, Mollet. Oui, là, tu le trouves dans les pieds. Tu mets 3 heures à centrer, j'ai le temps de faire 8 burgers, sérieux. Bah, les gars, le corner, c'est par Lâcher, par Salvi. Non. Non, soyez pas dur, FM. J'ai eu une bonne journée, mais quand même. Non, non, oui. Voilà, c'est bien. Il va y avoir forcément un vainqueur là, c'est pas possible. Oh, on a raté 3 interceptions, c'est but pour eux. Fuck. Ah, c'est pas mérité, chier. Côté. Voilà. Un bon centre gros. Beaucoup plus direct. Bourdon, quel travail de Bourdon! Retrait gros, yes. Bon, encore. Bah les gars, oh, pourquoi? Il rate un contrôle, il a 10 centres! Je me fais douiller, putain, mais je me fais douiller sa grande race. Jeu beaucoup plus direct, mais alors beaucoup plus direct, beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Exprimez-vous davantage et c'est là où Banega. Par contre, Banega, je l'ai vu rater 3 contrôles sur tous les replays du match. C'est quand même le mec qui a la plus grosse note en contrôle de balle de Ligue 2. Donc bon, ça me va moyen. Non, c'était impossible. Je suis en ligne de défense plus bas. S'il te plaît, tous les contrôles qui ratent, quoi. Boum! Oui! Banega! Oh là là, on va le chercher! La remontada! Putain! J'adore ce jeu, bordel. J'étais heureux pendant la défaite et je suis encore plus heureux pendant la victoire. Putain de sa race. Ah, j'adore ce jeu. Je me souviens de la 38e journée de l'année dernière où j'étais à 2 doigts de le désinstaller, ce jeu. Enfin, bref, ça, c'est pas le problème. La remontada. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je perdais 4 à 1, je gagne 5-4. Ça, c'est mon RC Lens. Oh putain, j'adore ce jeu. Merci beaucoup, Sébia, pour ton compliment. Enfin, je peux pas. Je ne partage pas ton boulot parce que j'ai pas vu ce que tu faisais. Mais si ça me plaît, ne t'inquiète pas que je partagerai tes vidéos sans souci. Pas encore joué le vague, bien sûr. Ah, c'est pas ouais, non, c'est hein, le Skiri Regen. J'ai le truc le mieux, c'est prenez la défense de vitesse et jouer dans l'axe, enfin jouer dans le secteur du mec qui a un carton jaune. Ouais. Et en fait, il y a eu beaucoup de fois où on a perdu le ballon à cause du prenez la défense de vitesse. Et j'ai préféré vraiment, j'ai préféré l'enlever. Et pas mal, hein, le petit bourdon là. Il est pas mal. Putain, c'était chaud. Hein. Magnifique comme match. Même quand je perdais, bon, Nîmes a été giga réaliste. Magnifique en termes de finition. La chose, c'est extrêmement rare. Bon, c'est parce que le gardien fait une passe D, une occasion créée, une passe D, une passe clé, passe D, occasion créée, il termine à 7-1. J'ai rarement vu un gardien qui prend 5 buts terminer avec 7,1 quand même. Mais bon, c'est grâce à sa passe D. La qualité de finition de Nîmes, c'était too much. Hein. Lâche. Après, nous, on n'a pas été mal en finition parce que 12 tirs cadrés aussi pour 5 buts, c'est pas mal. Ah ouais, je suis totalement bipolaire pendant un match FM, moi. On a parcouru 12 km, mais ouais, 3 occasions franches pour Nîmes. Ouais. 10 passes clés, ouais, ils nous ont dominés.
Après, ils ont été giga précis dans tous leurs jeux sur les frappes, sur les passes. C'est un très gros niveau qu'ils ont affiché parce que, enfin, franchement, les buts qu'ils mettent, c'est du niveau très gros club, hein. Replay de très très gros club. Un peu trop peut-être, mais bon, parce qu'ils s'appellent juste Ripard, Léa Slicky, Jean-Gérard Lapointe. Donc bon. Pour ça que c'est bon, ça arrive, hein, ça reste Nîmes, c'est un très gros club de Ligue 2. Mais on a très bien réagi. Putain, le caractère là. Et comme un symbole, c'est Banega qui cherche, qui trouve cette frappe finale. On perd des 4-1, quoi. Putain. J'ai déjà fait le au fait? Ou c'est le 2. Non, c'est 2-0 mi-temps, une tour retour. Je sais plus, le au fait, j'ai peut-être déjà fait, je pense. Frelon et Bourdon. Vous me fatiguez. Ah, le roi du comeback. Je l'avais pas fait alors, le roi du comeback. Ça y est, je l'avais pas fait ce succès. Vous avez gagné un match de compétition après avoir été mené par 2 buts ou plus à la mi-temps. Eh oui. Ouais. Très bah, incroyable. Et Chamouane-Urtegui qui gagne 6-1. Avec un mec. Ouais, bon, ok. C'est en finition. Ouais. Merci, merci Bourdon. Il me plaît beaucoup ce petit Bourdon. Zzz, bref, on va arrêter. Et le petit Banega. Un but, une passe D pour Ever, pour ce premier match. Ça me plaît pas mal, ça. Ça me plaît pas mal. On va essayer de mettre vraiment le plus en valeur ce superbe joueur qui est Ever Banega. 3 tirs cadrés, 2 buts pour Bourdon. Il a des vraies, vraies bonnes qualités de finisseur. Je suis très, très content de sa précision chirurgicale devant le but. Je veux juste avoir le rapport. Je vais avancer. Ah putain, on joue. Ah non, je stoppe le stream, les gars, malheureusement. Je peux vraiment pas pousser plus aujourd'hui, malheureusement. J'ai vraiment plein de choses à faire. Je récupère ma fille dans 1 heure et tout, donc. Mais je crois que ça commence bien. Je veux juste vérifier aussi autre chose avant de couper. Et puis on va discuter un peu. Si vous avez des questions ou des choses par rapport à vos parties ou par rapport à vos clubs, n'hésitez pas. Même des problèmes tactiques ou des réflexions tactiques. Il n'y a pas de souci. Quoi? Ibrahim Cissé? Bon, il fait pas un match foufou, mais je ne veux pas le vendre. À part s'il vient gueuler là. Je voulais juste regarder le calendrier. Alors, première chose que je veux regarder, c'est club et caractère. Ouais, on a changé. L'année dernière, la personnalité du groupe était professionnelle. Et vous savez que j'aime bien recruter des joueurs déterminés. On est passé à assez déterminés cette année. Mais d'ailleurs, je perdais 3 ou 4 à la mi-temps. Et j'ai dit aux joueurs. Continuer sur ce rythme. Quelque chose que je ne fais absolument jamais. Putain, ça, je le fais jamais. Il faudrait que je regarde là en analyse de causerie. Je sais plus où c'est. Mais ouais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans cette remontada. En vrai, on faisait pas un mauvais match. Problème de finition, mais eux, ils étaient chirurgicaux. Ils ont été chirurgicaux. Alors, au moins, regardez cette stat. Ça, par contre, c'est très stylé. La preuve que j'ai beaucoup insisté dans l'axe, c'est une passe D pour les deux MC, plus pour le MOC. Lombardo aussi fait un super match. Mollet, j'ai trouvé pas tout le temps la bonne décision. Un petit peu déçu par rapport à ça. Bourdon, très, très précis également. Une bonne entrée pour Vliétinck. La défense a été nulle à chier, quoi. Alors que c'est exactement la même que la dernière. Ah bah non, il y en a deux différents, pardon. Et bah Louis, il peut pas faire grand-chose, quoi. Il peut pas, à son plein coin. Je peux pas. Il termine à. Enfin, c'est symbolique, il termine à 6,90 en prenant 4 buts avec un 56% de passe, donc bon. Je pense que le jeu a bien compris. Il pouvait pas faire grand-chose sur les frappes. Je peux pas. Ah, quand même, le pourrait
Ah putain, mais je l'avais pas vu ça. Peter Shilton, c'est une légende en Angleterre. J'avais pas vu que j'avais ça. C'est cool. Ouais. Oh super. Super, super match. Première attaque, 19e défense. Je vais devoir regarder pourquoi Castelletto n'a pas bien marché, déjà, parce que je pense pas que ce soit son 10 en marquage qui faille. Après, c'est pas un joueur exceptionnel hein, au niveau des stats. Ça se trouve, c'est. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un mercato de merde sur un ou deux joueurs. Hein. Attention. Donc bon. Ce 10 en marquage qui fait un peu peur quand même. On verra si on switchera avec Diomandé. Dans ces cas-là, si j'ai Diomandé Mexer, 33 ans et 34 ans, il faudra que je descende la ligne de défense forcément. Forcément, obligatoire. Bah si c'est, je comprends pas trop. Après, c'est un latéral intérieur, il est limité techniquement, il faudra peut-être réfléchir. Vivement l'arrivée de Boscagli. Hein. Vivement, vivement, vivement Boscagli qui a de très très belles qualités. Bellegarde est toujours au top, c'est un monstre. Il est très fort dans ce jeu. Il n'a pas fait un très gros match, le père Skiri. Mis en difficulté. Peut-être trop jeune, ça je veux bien l'entendre. Ce qui est bien, c'est que j'ai du choix. On pourra switch avec l'entrée de Vlietink. On pourrait tester Prieto sur une aile également, voir par rapport à ses qualités de finisseur, parce qu'il a les deux pieds. On pourra tester ça. Ça peut être intéressant, d'ailleurs, même dès le prochain match, de voir avec le père Prieto. Et voilà. Tu veux pas, pardon, Anderson de Sochaux. Je ne vais pas écrire Anderson parce que je pense que c'est compliqué. Sachant qu'on est en 2022, hein, j'annonce. Donc, je sens que je vais en chier à le retrouver, ton père Anderson. Pas l'avoir vu. Sans laisser APA, c'est mieux, Toto. C'est plus classe. Non. Là, ça m'étonnerait. Anderson Emmanuel? Icotant sur la photo. 4 millions 3, 85 000 euros par mois. Pardon? Et mes Sochaux, vous êtes. Ça va? Oh, les salaires qu'il lâche, Sochaux! Attendez. Je suis obligé de faire le curieux parce que ça m'intrigue là. Solde bancaire, moins 941 000. Je voulais juste vérifier qu'ils n'avaient pas un sugar daddy par rapport aux investisseurs chinois ou quoi. Moi, je crois qu'ils ont des problèmes financiers IRL. Mais non, quoi. Mais c'est what? Tout ça touche plus de 20 000. On est à combien de joueurs là? 18? 18 joueurs à plus de 20 000? J'ai 9 joueurs à plus de 20 000. Il n'y a que Bellegarde qui me prend une putain de blinde. Foiré de merde. Oh putain, faut que je le fasse re-signer en plus. Oh putain, oh ça va être dur, ça va être chiant. Oh putain, je vais t'emmerder. Oh, fais chier. Oh, je sais que je vais t'emmerder. On peut faire un petit bilan, étant donné que ben, du coup, la partie a 5 ans, quasiment 5 ans. On peut regarder d'autres choses, ouais. Un peu cher, à Codes. Enfin, beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Sur les autres championnats. En Espagne, tiens, notamment. Je vais faire ça jusqu'à 5h15, 5h20. Je pousse à 5h20, mais je peux vraiment pas plus aujourd'hui, les gars. Je préfère vous faire un stream demain soir. Où je n'ai pas ma fille, parce que ça, c'est la semaine de sa mère, et en plus de ça, putain, j'ai pas ma fille la semaine d'après, en plus, elle est chez sa grand-mère et tout. Putain. Pas voir ma fille. Je vais être blasé la semaine prochaine, je vous le dis.
Pas quand j'en... Puis en plus, je la vois pas du tout. Parce que même quand elle est chez sa mère, je la vois 2-3 fois par semaine. Oh, fait chier. Semaine de merde. Bref. Atlético, première saison. Real, deuxième saison. Real, troisième saison. Real, quatrième saison. D'accord. Et le Barça, dans cette histoire, ils font une sale... un sale quinquennat. Sale, sale, sale. En Angleterre. Touk, 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 touk. Liverpool a été champion devant Manchester City. Oh. Chelsea 3e, Arsenal 4e, comme d'habitude. United 5e, Tottenham 6e. Ensuite, Arsenal champion. Liverpool champion. Manchester City champion. Bah alors, United. We are pedaling into the choucroute. Chez les Rital. Je suis Rital et je le reste. D'accord. Naples champion, meilleur, non, plus mauvaise différence, plus de buts encaissés, moins de buts marqués. Ça joue sur les affrontations, sur les affrontements directs en Italie, le titre de champion. Je savais pas. Donc Naples est champion en S1 devant la Juve. Juve champion. Roma champion. La Juve, ils se font baiser deux fois. À cause d'affrontements directs ? Sérieux ? C'est dur. Naples re-champion. La Juve, qui a eu juste un titre sur les 5 dernières saisons. C'est incroyable, ça. Il n'y a pas de relégation fun. Bologne, qui a terminé dernier. Ouf. Atalanta, qui est relégué, l'Atalanta ? Non. Troisième en série B. Ah, saison n'a pas commencé. Oh, faut que je me le note, faut que j'aille faire un tour à l'Atalanta, on sait jamais. Oh, tout ce qu'il y a moyen de voler. Oh, chez les... oh, j'ai pas assez. Putain, si j'avais été champion, putain, je me serais fait plaisir à l'Atalanta. Alors, Bayern en saison 1. Leipzig en saison 2. À 73 points, le Bayern. Pas une bonne saison. 70 points champion. Ah, ouais, 82 points, c'est mieux déjà. Putain, c'était une saison, c'était... ouais, Bayern et une fois Leipzig. Pas très impressionnant quand même. Au Portugal, alors, dans le trio. Benfica, ouf, 87 points. Culé. Porto. Belle saison, à 85 points la dernière. Je vais aller voir l'Argentine par rapport à... Ah putain, je l'ai mis en non jouable, je suis un connard. Oh putain, je suis un connard. Oh non. Non, ça va ? Je suis pas un connard ? Bon, ce semi-connard. Boca Juniors, champion. Independiente, River 6e, vous avez pas licencié l'entraîneur à l'époque ? Putain, mais Independiente. Oh, alors, si j'avais signé Independiente. Lanus a été relégué. Ça te fait rire. Hein. Pipi, caca. Oui, ça me fait rire, Lanus. Merde et merde. River a fait une bonne saison l'année dernière. Ils ont fait deux saisons coussi-coussa quand même. À surveiller parce que c'est coussi-coussa, River. Voilà. On a fait ouais, la Ligue 1 quand même. Pour voir que 5 fois marqué PSG. 4 fois, pardon, PSG, ouais, 102, 95, 100, record, donc à 102 ici, 112 buts marqués, what, 24 buts encaissés, ah, c'est pas leur record, ils ont fait une saison à 21 buts, 112 buts, et puis mon Olympique Lyon, j'ai fait marquer 103 buts à mon Olympique Lyonnais, parce que j'étais chez eux, pendant 6 mois, 112 buts, oh, 9 buts, oh là là, c'est du sale, oh là là, 112 buts, mon pote. Bon, par contre, c'est n'importe quoi le PSG, mais bon, ça, est-ce que c'est étonnant de voir ça? C'est dans vos parties comme ça, dans mes parties, c'est comme ça. Pff, oh là 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 là, cette équipe de porc.
Varane, Langlais, Marquinhos, Kimpembe, Rafael Guerrero, Juan Miranda, João Cancelo, Pablo Maffeo, Santiago Cáceres, William Carvalho, Marco Grujic, Adrien Rabiot, Tanguy Ndombele au milieu de terrain. Pavon Prêté, sinon... Oh, l'animation offensive, c'est bien fait. Là, c'est mieux fait déjà. Le banc est moins chargé, mais ça fait quand même du Neymar, Federico Chiesa, Ousmane Dembélé, un énorme Regen. Il est où? Il est où, Kylian? 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 Ah oui! Alors, je pense que le PSG a eu. Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Apparemment, les initiales sur la porte, c'était marqué FPF pour fair play financier. Et ils se sont dit, on en a marre. Les saisons à 258 millions d'achats et 19 millions de ventes, ou 310 millions d'euros d'achats, 82 millions de ventes. Oyunamar. Oyunamar. Ouais, au bout d'un moment aussi, il fallait, hein, les gars. 193 millions d'euros, Kylian Mbappé au Barça. C'est énorme. Ça leur fait quoi devant? Suarez, Mbappé, Coutinho, Dybala. Oh là 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 là. Dybala, Coutinho, Mbappé. Bon, Suarez 35 ans, va falloir y aller maintenant, monsieur. Oh la vache. Léon Bailey, Kovalenko, Draxler, Thauvin. Beaucoup moins sexy d'un coup. Jorrit Hendrix, nice. Kurt Zouma, Matip, Christensen, Ricardo Pereira. Ouh. Messi était toujours là, je ne l'ai pas mentionné. Fais voir le tuto achat-revente sur Zivco. À 10 millions d'euros, c'est tout. Pas un super tuto achat-revente, ça. Bernat, 20 millions. C'est bien revendu, non? Combien ils l'ont acheté? 14. C'est bien revendu avec Benef. Et William José. Acheté 48, revendu 42. Pas très fort, hein. Ouais, intéressant. Varane 200 millions dans votre partie. Moi, enfin, ce que je fais là, je le fais assez rarement, donc je sais pas si j'ai déjà eu, s'il y a eu déjà des trucs plus gros ou quoi, mais. Quelle heure il est? 17h17, encore 2-3 minutes. Je veux faire quoi là? Je veux voir qui a gagné la Ligue des Champions. C'est ça que je veux faire. Donc il faut que j'aille en Ligue 1. Phase. Tac. On passe en Ligue 1. Je clique sur le PSG. Je vais dans calendrier du PSG et je vais dans l'année dernière pour voir jusqu'où ils sont allés déjà. Bon, ils ont eu Bruges. Ensuite, Porto. Oh, ils ont battu Porto. Quart de finale face à Porto. Demi de LDC face à Tottenham, défaite Tottenham 2-1 chez eux et 2-2 à la maison. Genre, Tottenham en demi de LDC? Non. Donc c'est Liverpool qui a été champion. Liverpool a gagné 2 LDC. Regardez qui est le meilleur buteur des phases préliminaires de Ligue des Champions. Porto a gagné une Ligue des Champions. Putain. Puis 2019-2020 en plus, hein. Respect. Liverpool a gagné 2 LDC. Oh, ils doivent une équipe de porcasse. À mon avis, là, c'est. Ah, Strakosha est monstrueux. Très très bon gardien, Strakosha. Fais voir l'équipe type de Liverpool. Militao, José Jiménez. Ouh.
Ah, magnifique défense. Tierney, Militao, Jiménez, Trent Arnold. Ouh, ça c'est beau ça. Naby Keïta, Fabinho, c'est propre. Lemar en 10 avec Salah Mané, Firmino. Oh, beau gosse. En vrai, elle est magnifique cette équipe. Absolument magnifique. J'aime bien ça. J'aime bien parce qu'il n'y a pas. Enfin, il y a des transferts, mais pas tant que ça. Quand même, on est sur un Liverpool au bout de 4-5 ans qui a toujours Keita, Fabinho, Salah, Mané, Firmino, Trent Arnold. 6 sur 11 au bout de 5 ans. 4 ans, 5 ans, c'est pas mal. Fais voir Lemar depuis quand il a signé. 65 millions d'euros. Voilà. Pas des grosses saisons, le père Lemar. Malang Sarr, Matteo Kovacic. Oh, ils ont un banc. Harry Wilson. Intéressant. Colon et l'anus. Porto est monstrueux, hein. Merci Ludo d'être passé. Merci, c'était cool. Merci beaucoup, beaucoup. Non, j'ai vraiment trop de paperasse à faire. 17h20, je vais couper. Il faut que je m'occupe de ça. Je veux pas être emmerdé parce que quand ils vous doivent de l'argent, faut pas les emmerder et ils mettent beaucoup de temps à répondre. Quand vous leur devez de l'argent, vous avez un mois de retard, ils vous défoncent la gueule. Donc, je rigole pas trop avec ces gens-là. Donc voilà, fin du stream du jour, les gars. Fin du stream du jour. On a juste fait un match de championnat, donc voilà. On a mis pas mal de choses en place. J'essaierai de prendre mon temps sur le côté tactique des CPA et tout, mettre bien les bons tireurs comme il faut, tout bien ranger en fait, de façon à ce que lors du prochain stream, je puisse limite faire du spam continué et qu'on puisse mettre du rythme pour cette nouvelle saison avec Fernando Cavenaghi. Salut Kier. Salut Panicubes. Désolé les gars, je coupe le stream. Ouais, je coupe le stream. J'ai beaucoup de paperasse à faire et voilà. Pour ceux qui arrivent, j'ai juste fait un match de championnat. Bon. Voilà, coup j'ai gagné face à Nîmes. On perdait 4-1 et on remporte 5-4 à la 94e. Ça vous permet de voir rapidement les nouvelles recrues, dont Ever Banega, Florent Mollet, je cherchais son prénom, Castelletto, Junior Sambia, ou le jeune Regen, Fabrice Bourdon. J'adore son nom de famille, bien évidemment. Donc voilà, je vous fais rapidement une petite présentation, mais voilà les gars. J'ai déjà sauvegardé. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup pour votre soutien. Et pour aujourd'hui, merci pour le resub de Nyangouné. Merci pour le follow Julien aujourd'hui. Et voilà. Merci à tous. Je vous laisse là-dessus. À demain, normalement demain soir, vers 18. Alors je rentre, je suis à la maison vers 18h45. Le temps de faire 2-3 trucs. Ouais, moi, de toute façon, je lancerai au. Oh, est-ce que je regarde Lyon-Guingamp? Peut-être que je regarderai Lyon-Guingamp. Si je le regarde, je lance le stream vers 10h15, 10h30. Si je ne le regarde pas, je lance à 21h. Voilà. Je vous tiens au courant sur Discord, sur Twitter ou sur le réseau social. Et voilà. Tout simplement. Merci à tous, les gars. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Passez une très belle soirée. Bonne Europa League. Regardez le match. Si vous êtes comme moi, un général du club célibataire, si vous êtes avec votre chère et tendre, profitez bien d'elle, faites-lui plaisir, faites-lui à manger. Passez une très bonne soirée, profitez bien de la personne qui accompagne votre vie. Je vous dis donc à demain. Passez une très bonne soirée, ciao.